La musique. On va voir. Est-ce qu'il y a des gens qui vont venir? Ouais, finalement, je restream. On est jeudi ce soir, 22h, conférence PlayStation 5. Et on a plein de nouveaux jeux là. J'étais sur X-Men Legends, c'est fort. Attendez, attendez, attendez. Je vais faire un truc. C'est que je vais baisser le son. Attention, ça va couper chez vous. Attention, chérie, ça coupe. C'était de la peur. Toi aussi, t'as la ref. Hop. Chérie, ça coupe. Mais vous avez toujours l'image. C'est bien foutu, c'est bien foutu. Bouge pas. Bouge pas. Je vais t'expliquer dans quelque chose. On est à 8, on va descendre à 7. On remet l'image. Musique maestro. J'ai vraiment l'impression que ça avait fait grand chose, mais on verra bien. On verra bien. Bon, bah les gens, c'est le moment de revenir me voir si vous étiez là sur X-Men Legend 2. Il y a plein de choses à faire. Je vais vous faire un récap samedi matin. Mais là, 17h, vers 17h, le jeudi, c'est à ce moment-là que tombent toutes les annonces. Eh bien, c'était prévu. On a Ark Survival Evolve qui est disponible sur l'Epic Game Store. On a quoi aussi sur Humble Bundle? On a Snake Pass qui est disponible au moins pour 48 heures. Donc, à acquérir d'ici la fin du week-end. Et on a Samurai Shodown Neo Geo Collection à choper sur l'Epic Game Store également. C'est la fête, le week-end arrive, il faut télécharger les jeux. Donc je vous attends pour commencer là, on va popoter un petit peu. Est-ce que je vous mets les liens dans le chat? Mais s'il y a personne qui cause, c'est pas la peine. Donc on va commencer une nouvelle partie. Pour ceux qui connaissent le jeu, tant mieux. J'avais peur que au niveau des réglages, ça le fasse pas. J'ai un PC là qui a besoin d'une petite maintenance. Et donc à mon avis, la semaine prochaine, il va partir en maintenance pendant un ou deux jours. C'est pas grave, vous verrez pas trop la différence. Est-ce que je vais faire des vidéos d'avance ce week-end? C'est possible, je sais pas encore. Il y a beaucoup de jeux hein, que j'ai pas testé. J'ai du retard à ce niveau-là. Bref, on va faire une nouvelle partie. On risque de se taper un petit écran noir le temps du chargement. Bah let's go to the fun, j'ai envie de vous dire. Et peut-être qu'on va rebaisser le son, tiens, pendant que ça charge. Oui, je suis sûr, accepté. On va faire ça, tiens, je vais faire ça. Comme ça, oh, comme il n'y a pas de son, je vais en profiter pour baisser légèrement le volume. Chez vous, ça charge encore. Hop, oh, c'est la nuit, j'aime pas la nuit. Et hop, j'y retourne. Toc, vous avez rien vu. Oh, on entend de quelque chose. C'est beau. C'est la planète de la magie. Ah, une petite luciole. Mais qu'est-ce que c'est, dis donc? Je sais pas. C'est un cristal magique. C'est les Dragon Ball, mec. Tan, 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 nan, nan. Petite planète et tout. J'y ai joué. J'y ai à peine joué une heure. Hein. C'était histoire de me faire au gameplay, vite fait. Mais ça a l'air tout mignon. Alors il y a une dimension aventure en RPG. Bon, il va y avoir du crafting. On va pouvoir faire pousser des carottes, des plantes, tout ça. Donc c'est vachement bien. Moi je dis oui. Et au départ, quand je lançais le jeu, donc je pouvais lancer une partie et passer cette cinématique là, ma cache, le jeu est planté. Donc j'ai désinstallé, réinstallé, j'ai attendu un petit peu. Et du coup, ça a l'air de fonctionner. J'ai fait mes tests hier soir. C'est un jeu qui a bonne réputation, donc à voir, je connais pas du tout sa durée de vie. J'avais envie de changer un petit peu de ce que je vous propose d'habitude, c'est-à-dire du beat'em up de super-héros. Donc pourquoi pas découvrir ce petit jeu tout chill, et pareil qu'il est chill, que c'est tout mignon. Donc allons-y gaiement. Hein. Ce sera un let's play, bah, si c'est pas trop chiant, c'est comme Niflheim en fait. Il y a une dimension jeu de survie. Niflheim, c'est très bien, mais les Simpsons, non, c'est pas ça, ah, c'est pas ça, on y a cru, un nouveau, oh, ça y est, il n'arrive pas à parler, ça commence bien, un nouveau jour se lève, il y a beaucoup à faire, en premier, je devrais récolter quelques baies dans les buissons près du lac, je vais vous faire la lecture, hein. Récolte 2 baies dans les buissons près du lac, par contre, oui, on se doute que c'est près du lac. Oh, c'est chouette. Mais je peux pas pêcher quand même. Alors, au niveau de les commandes, peut-être que je vais inverser l'axe Y. Les ordonnées, c'est ça. Donc, une baie.
2B, il va falloir que je me crafte du matos. Salut Super Michel, le retour du fils de la revanche. Superbe. Je n'ai pas récolté beaucoup, j'y retournerai plus tard. Donc finalement, je stream, hein. Puisque vous étiez présent, je vous avais dit d'ici une petite heure. Oh là, il y a un petit lag là. Alors ça, ça me plaît pas. Patrouille interstellaire en approche, mine à l'appareil pour une mission de reconnaissance. Si ça lag, ça va pas être possible. Je vais pas pouvoir faire grand chose, ce sera pas un let's play, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Je me trouve présentement sur une étrange petite planète, je n'ai jamais rien vu de tel. Elle semble inhabitée. Bon, ça fonctionnait bien, donc il n'y a pas de raison. Ici, ça, je peux pas le récolter encore parce que j'ai pas le matos, donc on va aller voir la dame. Bon, ça a l'air d'être fluide, hein. Je regarde au niveau du retour, ça a l'air d'être fluide. Donc c'est cool. Je me rends compte aussi que le chat, je me rends mieux compte, j'arrive mieux à le lire quand il s'affiche en bas à droite de mon écran plutôt qu'en haut à gauche. Hey, bonjour. Bonjour, je n'avais pas réalisé que tu étais là. Je ne pensais pas qu'il pourrait y avoir des habitants ici. Mais ça, tu le mets dans les mains de ton gamin, il n'y a pas de problème. Je vis seul, je m'appelle Arco. Comment t'es arrivé ici si tu vis seul? T'as été abandonné par tes parents parce qu'ils t'aiment pas. Je suis Mine, une exploratrice de la patrouille interstellaire. C'est la première fois que je visite cette planète. Des fois, je fais des voix, mais là, j'ai pas envie. Bienvenue sur Deland. Ah, c'est Deland, c'est le nom de la planète. Deland, elle n'apparaît pas sur mon radar. Bah, comment t'as fait pour venir ici? Bulma, on t'a reconnu. C'est comme si elle était sortie de nulle part. Yo, hyper. Ça y est, t'as mangé? Non, j'ai pas mangé du tout. Mais j'ai bu mon café. Je suis allé faire caca. Donc ça va mieux. Ah, je vois que tu as construit un campement. Tu sembles être un enfant qui ne manque pas de ressources. C'est quoi ce jugement? Ça fait 3 secondes qu'on s'est vu. Je suis sûr que tu vas faire de Deland un lieu agréable à vivre. Je vais t'y aider. Je vais t'asservir. D'abord, il faut planter et récolter de la nourriture si tu ne veux pas mourir de faim. C'est ce que je préfère. Moi, je peux passer... c'est un runaway. Qu'est-ce que t'appelles un runaway? Quelle bonne idée, je commençais à me lasser de seulement manger des baies sauvages. Runaway, ça veut dire s'en aller, se courir, s'échapper. Je vais te montrer comment faire une houe. D'ailleurs, la petite série Runaway, je suis à la saison 3. Je suis même pas sûr d'avoir regardé la saison 2, mais c'était pas mal au début. Là, il y a Cloak & Dagger qui doivent intervenir dans un épisode crossover. Donc à voir, faut que je termine, je dois être rendu à l'épisode 4. Je crois que j'ai dû m'endormir devant. Donc à voir. Je vais te montrer comment faire une houe. Reviens me voir quand tu auras réussi à en fabriquer une. Une houe. Hop, oh, bon, ça va être zen. Là, attends. Si la houe est là. Ah bah tiens, ça. Donc toc, la forge, la houe. Hop, on valide. J'ai les matériaux. On n'a pas trop regardé. Mais c'est un jeu où tu cavales. C'est un cours sur la route. Runaway, runaway. Oui, comment ça s'appelle? J'allais dire Escape Game, mais c'est pas ça. C'est un... Ah, j'ai le nom là. J'ai le nom, t'avances et tu tires. Rideshot, mince, c'est pas ça. J'ai le nom en tête, je l'ai sur le bout de la langue. Mais j'arrive pas à m'en souvenir. Raigun, je sais plus quoi. Mais regarde, man, j'ai réussi. Ok, super, je vois que tu es très habile. J'ai plus le terme en tête. La terre semble fertile près de ton campement. Prends ces graines de carottes et va les planter là-bas. Mais t'as quand même donné des ordres aussi. Merci beaucoup, je reviens. Plante un champ de carottes et tout, machin. Alors, semer des graines. Oui, les carottes, j'ai du blé aussi. Maintenant, je peux me servir de ma houe pour planter toutes sortes de graines sur la surface de la terre. Je l'aurais planté de sapin près d'un plan d'eau. Ouais, mais on ne te l'a pas demandé ici, tu as des graines de sapin. Est-ce que là, tu peux continuer? Oh, Fripouille! Bonjour, ma Fripouille! Vous voulez voir Fripouille? Je vais lui planter sa petite graine. Ah, ça y est, ça commence. Bonjour, ma Fripouille. C'est le chat le plus malheureux du monde. Oh, Fripouille! Waouh! Elle veut faire le câlin à papa. C'est l'heure du câlin. Oh, oui. Comment on fait? Tu dis bonjour? Dis bonjour. Alors, je dois construire un autre puits si je veux cultiver plus de terre. Joli choucal, oui, c'est un choucal. Mais elle veut toujours mordre le micro.
Elle est mimi. Du coup, il faut que je construise un puits et il faut que je plante des graines. On va d'abord aller planter les graines à proximité du plan d'eau. On va en planter une ici. On va en planter une autre à côté. Bah oui. Tu veux manger? Ça marche à tous les coups. Voilà Gremlins. Voilà Gremlins. Ouais. Ou non. Non. Oui, c'est l'heure des câlins. C'est les bisous. Et les mimi. En barbecue, ouais, bah bien sûr. Oui. Oui, mon chat. C'est bien joué. Il n'y a plus qu'à attendre que les arbres poussent pour obtenir plus de graines. Tout à fait, Thierry. Tout à fait. Alors, on va retourner voir la dame. Bon, Bulma. Ça va pas le faire, Fripouille. Ça va pas être possible. Faites des chats. Ouais, moi aussi, j'adore les chats. J'en ai deux. J'ai deux chaminettes. Ou c'est l'heure des câlins. Mais oui. Je n'ai plus qu'à attendre qu'elle pousse. Beau travail. Beaucoup de produits issus de la ferme sont comestibles. Ils t'aideront à lutter contre la faim. Très bien. On aura ça. Oui, parce qu'on a une barre de faim, une barre d'endurance. Bulma, j'aimerais apprendre à construire des choses. Bien sûr, dans ce cas, tu as besoin d'un marteau. Si j'avais un marteau, bah c'est là que ça va devenir intéressant et te sera utile. Pour briser la roche, je vais te montrer comment en faire un. Je t'écoute. Ah, vous êtes... Il est comme vous, il écoute. Alors. Trop mimi. Elle a un bruit de moteur. On va aller fabriquer un marteau. Ah. Toc, ici. C'est un coup, je te fais un câlin, un bisou, un coup, je te mords, hein, quand même. Non. Non, Fripouille. Je te vois. Ça va au niveau du son, vous entendez? Bon, là, il n'y a pas de musique, mais vous entendez les sons. Hop. Deux chaminettes. Et il y a Délice qui est derrière. Je sais pas si vous la voyez. J'ai mis des sacs en papier, là, parce qu'elles se battent, sinon, pour aller dessus. Si, elle est là. Oui, elle est là, Délice. Vous la voyez à peine. Si, derrière. Ok. Vous entendez le son, donc c'est parfait. Donc maintenant, je vais pouvoir casser des cailloux. Oh tiens, il y a une espèce de cristal là. Ah non, c'est pas un cristal, si. Donc il y a un côté aléatoire apparemment au niveau des de certains trucs. Là, je vais faire de la place parce que je vais construire des puits. Il m'a dit de construire des puits. Et puis il va y avoir des méchants. Il y a aussi un... Oh mince, j'ai oublié de lire. Quelle chance tu as trouvé, je sais pas quoi. Mais j'ai trouvé. On va regarder. Alors je pourrais laisser appuyer d'ailleurs le bouton. Attends, on va regarder au niveau de l'inventaire. Carottes et tout, je sais pas ce que j'ai trouvé. Ah si, matériaux. Du fer, ça va être le fer que j'ai trouvé, je pense. Spécial, statut, ok, point de vie, énergie, consommable. Très bien, tout va bien. C'est cool. C'est cool. Super Michel. Allez. Alors du coup, je vais faire de la place là. Les carottes sont en train de pousser, on va les couper du bois. Mais non, mais c'est chill. Moi, un jeu comme ça, j'y joue toute ma vie. Hein. Ce qu'il y a, c'est que, bon, on n'a pas toute la vie devant soi. Enfin, si, en fait. Allez, go. Vas-y, je vais prendre un petit peu de caillasse. Ah, j'ai vu, là, des trucs qui sont tombés de l'arbre. On va pouvoir planter d'autres arbres. En fait, il suffit de passer dessus pour les récolter. Ouais, c'est très bien, ça. Ah, mais je peux pas couper du bois encore, puisque je n'ai pas de hache. Donc, juste, j'en profite. Comme c'est le tutoriel... De traîner un petit peu sur cette phase-là pour pouvoir cumuler un maximum de ressources. Est-ce que le puits, je vais pouvoir le construire? Attendez, c'est là que je veux faire. Je vais faire un puits au bout de chaque champ. Hop, comme ça, ça va faire de la place. Vas-y. Mais c'est chouette. Allez, ça y est, tu t'en vas, Fripouille. Et pas l'écran, Fripouille, parce qu'elle a tendance à se frotter contre les écrans. Et m'en a niqué un comme ça. Ouais, bah, il reste à côté de moi, à côté du clavier. C'est très bien, du moment qu'elle s'allonge pas dessus. C'est parfait. Alors. Ah et on peut pas dire qu'il casse pas des pierres celui-là. La planète est minuscule, ouais. Par contre j'ai des poils de chat plein pif maintenant. Du coup un puits, mais il va me dire que j'ai pas les matériaux. Hein. Alors on peut tourner comme ça. Voilà, je préfère. Est-ce que je peux construire? Voilà, j'ai pas les bâtiments. Donc on va aller voir la dame. Hop. On l'appelle Bulma. Elle s'appelle Mu, mais j'ai envie de l'appeler Bulma. Ça y est, j'ai un marteau. Beau travail, la construction n'aura bientôt plus aucun secret pour toi. Je vais te montrer comment faire un feu de camp. C'est très simple. Ok. Ah, mais je n'ai plus assez de bois. Mais t'inquiète pas, je vais te filer une hache.
J'ai plus de bois non plus. Bien semblerait que nous allons devoir couper quelques arbres. Donc ici la hache. Go dans l'entrée. La forge, la recette, la hache, on la fabrique. Pour l'instant, ce sont les crafts de base. Et c'est là que ça va nous être utile. Alors à l'attaque, il sélectionne automatiquement le bon outil quand je me présente devant le sapin. On va aller en planter. Il ramasse automatiquement aussi. C'est quoi ça? On dirait brisé. C'est une pierre ça ou c'est du fer ou c'est je sais pas quoi. Ça avait l'air d'être du fer. Ok, on en aura là. Là il y a un drôle de, j'allais dire un monolithe, mais c'est pas du tout un monolithe. Je suis épuisé, j'ai besoin de me reposer pour reprendre mon souffle. Ah, bon, on va faire ça. Entrer, dormir, pour récupérer toute ma jauge. Alors il explique pas au départ, c'est assez épuré hein, au niveau de l'interface. Oh, c'est joli. C'est joli. On va couper cet arbre là. Et on va en planter d'autres. On va se débarrasser de la souche. Je sais pas, alors j'ai pas testé. Hein. Peut-être que si je laisse la souche apparente, peut-être que l'arbre va repousser si j'ai les carottes. On va planter des sapins. Alors assez proche. Ici on va faire une forêt. Alors, je vous propose qu'on plante quelques arbres à proximité de la zone. Ici. Assez proche de là. Alors pas dans le rocher directement. On va laisser quand même un écart si on veut se balader entre les arbres. Et du coup, alors à chaque fois je suis obligé de faire la manip. On va les mettre en quinconce. En quinconce. Je peux le mettre sur le sable. Ouais, hop. Attendez, on va faire ça bien. Bon, à peu près bien. Les Simpsons. Je sais pas si vous l'entendez, la musique là, elle est peut-être pas assez forte. Bah, tantôt elle est trop forte, tantôt elle est passée. Il me reste 4 sapins, on va tous les planter. Hein. Pendant que c'est le tutoriel, parce qu'après on va être embêté avec des monstres. Donc pendant qu'ils sont pas là, j'en profite pour m'installer correctement. Bon, même si les arbres sont un peu serrés, c'est pas très grave. Hop, allez, encore 2. Ah non, et puis après on construit un parking et une autoroute. Hein, vous allez voir, ça va être bien. Et plus que un. Et puis on va mettre des petits buissons. Pourquoi là? Ah, là, attends, on va en mettre un de l'autre côté. Pour la symétrie. Toc. Donc j'ai même pas. Bonne nuit, ah ça y est. Tu t'en vas? Casse le rocher. Quel rocher? Celui-là? Hop, hop. Ça fera de la place. Hein. Ici. Ah, j'ai un chat qui vomit. Ça, c'est bien, ça. J'aime bien. Bon, ça va tant qu'il vomit par terre et pas sur un bout de tissu. C'est cool. Là. Oui, c'est ça. Au moins, il mange. c'est ça qui est bien. Juste, le feu de camp. Attends, mais j'ai pas fini. Je veux pas construire. Je veux planter. Et des buissons de myrtilles. On va les mettre à proximité de la flotte également. Voilà, comme ça on en aura plusieurs. Parce qu'on a la jauge de faim. Je sais pas si vous voyez à côté de l'avatar en haut à gauche. J'ai des j'ai une jauge de faim. Donc vous doutez que c'est utile pour savoir où on se situe au niveau de. Quel mot je vais pouvoir trouver de la satiété. Voilà. La satiété. Hop. C'est la faim en société. Alors, secouer, je vais ramasser ça en plus. Et il me faut quand même des réserves. Et on va faire un feu de camp que j'ai envie de placer. Papapi, papapa, papapo, que je vais placer bah, juste en face de la tente. Je pense que c'est sa place. Donc, feu de camp, ici. Je devrais parler avec lui avant de faire ça. Oh là 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 là. Ok, on a une carte. Alors c'est bien, comment on vire, voilà comme ça. C'est bien, t'as vomi mon chat? Ouais, c'était bien de vomir. Apparemment t'as tout gardé pour toi. Alors, Mun, j'ai lâche. Super, mais rappelle-toi, essaye de maintenir un équilibre entre les arbres que tu plantes et ceux que tu coupes. Prends ces quelques graines supplémentaires. Merci, et va les planter, c'est ça?
Je vais construire un feu de camp. Bah ouais. Il t'aidera à te garder au chaud durant les froides nuits. Maintenant, tu peux récolter les matériaux nécessaires. Utilise le marteau pour la pierre et la hache pour le bois. Parce que je t'avais pas attendu, en fait. Je m'en occupe. Non, non, il est malade, le chat, ou anorexique. Bah, ni l'un ni l'autre, mais les chats, ils vomissent régulièrement. Surtout que là, ils sont dans une période où ils perdent leur poil avec l'été qui arrive. Leur poil d'hiver. Et du coup, ils ont tendance à les avaler un peu, quoi. Ce qui est normal. C'est des chats. Et vas-y. Toc. Donc, je construis. Sauf que là, il ne reste plus qu'à l'allumer. Allumer le feu. J'ai du bois. Du bois de cheval. Waouh, tu sens cette chaleur. Ouais, c'est bon d'être au coin du feu. Tu peux utiliser une torche pour transporter le feu, mais c'est trop bien. Mais fais attention, le feu, ça brûle. Et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux vont dans le ciel. Explorons la planète, j'aimerais voir s'il y a de quoi. Quoi que ce soit d'intéressant. Il y a un étrange monument sur la colline. Avec un joli bouquet d'églantines. Je vais te montrer. Donc, j'ai gagné un cristal. Hop. Tiens, une torche. Alors, je sais toujours pas à quoi ça sert trop les torches. Il n'y a pas de bois, c'est ça? Je n'ai pas de torche. Ah, t'es pénible. Tu veux pas récolter? Améliorer ça, non. Je n'ai pas de torche. Eh ben, coupe du bois, tartampion. J'ai envie de te montrer. Heureusement qu'il n'y a pas ça chez la Toubistrui, ouais, tu parles. Voilà. On a 3 tubés au choix, ouais. Tu parles. Donc attends. Du coup, est-ce que je vais pouvoir faire ma torche? Détruire? Bah non. Pourquoi détruire? Torche? Ah d'accord, parce que j'étais pas. Je n'ai pas de torche. Mais tu... Ah mais parce qu'il faut les fabriquer, que je suis con. Entrée. Forge. Torche. Pardon, j'ai cru que c'était du bois que on n'avait pas. Du coup, la torche, elle est là. Youpi. Et je vais pouvoir t'emmener au bout du monde. Le pouvoir du feu. Sauf que si j'ai envie de briser. Parce qu'on est sur. Tant que j'ai pas de méchant, on peut en profiter, hein. Attendez, parce que je vais faire ça bien. Améliorer. Je peux pas semer des graines. Et je peux pas faire mon puits, au fait. Non, j'ai pas la recette du puits encore. Elle m'a pas aidé. Et est-ce que... Attends, parce que puisqu'on est là. Vas-y, sapin. Sapin, hop. On va s'installer bien. Toc, et puis de l'autre côté aussi, on va commencer à faire une forêt. On croit que celle-là, c'est la zone des myrtilles. Donc, on va pas trop abuser. Tiens. Tu sais que t'es un peu sur mon chemin, hein, ma grande, là. Bulma, t'es pénible. Est-ce que je peux planter d'autres trucs? Un buisson de myrtille. Ah si, on avait dit qu'on les mettait par là. Là, c'est un peu loin. Là, c'est un peu trop près de l'autre buisson, ici. Voilà, et il me faut de la bouffe, hein. Et à un moment donné, faut pas déconner. Mince, j'ai pas fait le... Ah, mais j'ai du blé. Vas-y, ramasse ça. J'ai pas envie de crever la dalle. D'ailleurs, j'ai faim, là. Enfin, mon personnage a faim. Est-ce qu'on peut le nourrir? Il me reste qu'une carotte, je vais devoir la garder. Et là, hop. Voilà, vous voyez la jauge qui remonte. Si je me substanter. C'est si je chante. Trouve un McDo. Un McDo ou un Modo? Elle court beaucoup aussi, la fille de la soupe au chou. Quoi? Envoie du bois. Ok, trouve un McDo. Ok. Modo, tu es où? Bah, il n'y a pas besoin de Modo, là. Alors, tout va bien? Oui, mon chat. J'en ai des Modos, il faudrait que je les appelle, mais là... Tout le monde, il est gentil, tout le monde, il est poli. Hein. Fripouille. Du coup, je voulais lui montrer un bâtiment. Un bâtiment. Qu'il est où? Qu'il est là-bas? J'ai une flèche en plus qui m'indique cet emplacement. Ah bah tiens, c'est là. Là, il y a une flèche. Tais-toi. Allez, go. Le voilà. Un moment. Fripouille, je te vois. Arrête de faire les bêtises. Mais quoi c'est? Selon mes données, c'est un ancien hôtel. Un hôtel à cristaux. Ça me fait une belle jambe.
Je chercherai plus d'informations quand je serai rentré à la base. C'est clair. Allez, hop. Modo, tu es où, DTC? Bah, tu mets dans ton corps, dans ton corps. Hein, alors, je chercherai plus d'informations quand je serai rentré à la base. Bah, casse-toi alors. Bulma, regarde, mon pendentif s'est mis à briller différemment. Mais parce que tu es l'élu, Néo. Des monstres, prépare-toi à combattre. Ah! Ah! Voilà, c'est là où ça commence la galère. Alors, attention. Pour l'instant, il nous file des slimes de merde. Mais sinon, il y a moyen. Tiens, comme ça, vous verrez mieux. Hein, c'est mieux pour vous. Mais alors, est-ce que c'est la fumée qui des monstres? Oh, on ramasse des champignales. Du coup, tiens, voilà. Là, on tape dessus. Tac, tac. Bah, si en plus, c'est tir, ça va, quoi. C'est bien, Bulma. Tu veux pas me filer un flingue plutôt que de me laisser taper comme un gueudrin, là? C'est, vas-y, débarrasse-toi des monstres. J'y vais avec une pauvre hache et un laser, mais c'est à moi de m'en occuper. Ah, t'es pas la moitié d'une intellectuelle, toi. Allez. Oh, piou, oh là là. C'est mignon. Ah, tu t'es bien débrouillé. Peut-être qu'un jour, je t'emmènerai dans l'une de mes expéditions. Et en plus, elle veut m'enlever, quoi. Kidnapping. J'adorerais ça. Ah, c'est propre. Oh, merde. Ah, j'ai pas pu ramasser le truc. Hop. Le chat. Je dois m'en aller à présent. C'était un plaisir de te rencontrer. Merci pour la visite. Tu reviendras. Tu m'as fait visiter ma propre planète. C'est bien. Alors, comment il a grandi? Ok. Bien sûr, en attendant, prends soin des Landes et défends-toi. Défends-la contre ces invasions de monstres. C'est zéro panique, hein. Il y a des monstres, c'est rien. T'as rien à grailler. T'as une pauvre tante, mais non, te laisse là. Brave petit. À la prochaine, Arco. Ouais, il s'appelle Arco, je le savais même pas. The Navette is dead. Il va bientôt pleuvoir. La pluie aide les arbres et les cultures à pousser, à produire quelque chose. T'as un extra planète, ok. Si je construis un puits, je pourrais récupérer de l'eau de pluie qui me sera utile le jour où il ne pleut pas. T'es pas la moitié d'un intellectuel, c'est sûr. Alors, est-ce qu'on a suffisamment de matériaux? Je vais couper ce bois là. Parce qu'en fait, j'ai bien envie d'en construire plusieurs des puits. Ça va me permettre de m'étendre. Alors ça, on arrive à peu près à la fin de la zone que je connais, quoi, à la fin du tutoriel. Tiens, on va juste ramasser les kawotts. C'est dans Wakfu qu'ils disent kawotts. Hein, avec un W à la place du R. Les kawotts. Il me semble, hein. Est-ce que j'ai la recette du puits, du coup? Attendez. Oui, j'ai la recette du puits. Il en faut 5 et 3, ok. Donc si j'en mets un là, bah vas-y, mets-le là. Ici. Vas-y, je vais en faire 3. J'en mets un autre. Voilà. Tant que je peux. Hein. Et ici. Il me manque un caillou. J'aime bien les cailloux, vas-y. Un caillou brisé. Oh, je suis épuisé, je suis obligé de dormir. Oh, merde! Donc, le mec qui s'énerve pour rien. Vas-y, dors. Dors. Le top du top. Une vieille canadienne. La tente? Ah, alors quand je passe à niveau, j'ai le droit d'augmenter une de mes compétences. Qu'est-ce qu'on prend? On prend intelligence ou agilité? L'intelligence augmente la puissance des attaques magiques. Les points d'énergie améliorent l'effet des potions. L'agilité augmente la vitesse et la défense contre les attaques physiques. J'aurais plus envie de tendre vers l'agilité vu qu'on a des monstres. Qu'est-ce que vous en dites, vous, dans le chat? Si vous répondez pas, je vais prendre la décision. Hein, mais à vous de voir. Intelligence, ça c'est pour m'emmerder, ça. Intelligence. Est-ce que c'est validé par hyper-hyper? Intelligence, agilité n'est pas. Ne sert pas puisqu'il court déjà comme un taré. Bon, d'accord. Bon, okay. Intelligence. Vous avez choisi. Donc, c'est celle-ci qu'on va valider. Et est-ce que je peux faire un autre puits au bout de mon champ? Au bout de mon champ. Est-ce que je peux faire un puits? Alors, attends. J'ai pas pris ma décision. Voilà, je veux faire un puits. Et il me manquait une pierre, oui, puisqu'il était fatigué, donc brisé. Allez, on brise, et du coup, le puits. Voilà. Voilà, on va faire ça bien. Donc, un puits, un champ.
Voilà, et mets ça là. Et on va pouvoir semer. Alors pourquoi? Pourquoi des fois ils me proposent de semer, d'améliorer, et des fois de semer des graines? Je crois que c'est lié au fait. Ah, il faut un seau. Il me faut un seau. Forge. Et il a pas de seau, ce con. Pourquoi améliorer? Je veux pas améliorer, je veux planter des graines. Ah, mais parce qu'il faut peut-être. Mais voilà. J'étais pas sur la bonne option. Du coup, des kawotes. J'ai le sentiment que les ennemis sont proches. Je dois m'en occuper immédiatement. Bah, tu vas attendre 2 secondes, ouais. Je sème des kawotes. Puis ensuite, on va changer. Toc. Et toc. Voilà. Alors, je peux les arroser. Alors, par contre, maintenant que l'autre s'est barré, c'est plus des slimes. C'est des gros débiles. Voilà. Est-ce que avec une hache, ce serait pas mieux? Est-ce que ça fait une différence d'ailleurs? En rouge, en haut à gauche, niveau 2, c'est mon point de vie. Par contre, on le voit pas taper, mais je me prends des dégâts quand même. Et c'est grâce à la nourriture que je vais pouvoir récupérer des points de vie, des points d'HP. Vas-y, viens là. On va le déglinguer. Vas-y, mais crève, charogne. Toc. Donc là, on est d'accord que. Bon, j'ai du pain. Je vais me substanter. Du coup, et encore me substanter. Hop. Oh, le méchant. Oh, putain, méchant. Exactement. Et il doit y en avoir un deuxième. Il me semblait qu'il y en avait un deuxième. Mais s'ils disparaissent sans crier gare, et bah écoutez, on va les laisser. On va récolter de quoi planter. Parce qu'on va se faire une forêt. Tiens, hop. Pourquoi? Pivote la planète. Ah mince, la planète, il y a des météorites. Alors bien sûr, les axes sont inversés, sinon c'est pas intéressant. On va aller voir. On va aller voir qu'est-ce qui est tombé là. Hop. Un ticket tombé là. Hop, un ticket tombé là. Humour drôle. Ouais, bon, désolé. Quand il touche avec ses grosses dents, bah oui. Ah, c'est avec les dents, j'ai pas fait gaffe. Vas-y, on prend quelques cailloux. On va faire de la place là. Tous les petits cailloux, je vois qu'ils disparaissent quand on tape dessus. Ah, bah alors, attends. Ici. Viens là, toi. Hop. Ah, bah, c'est notre copine. Mu. Mu. Voilà. Qu'est-ce que tu nous racontes? Bonjour, Arco. Comment ça se passe pour toi? Oh, je vois que ça a l'air de bien aller. Bah, pourquoi tu pars si c'est pour revenir? T'as qu'à rester là, on fera des trucs. La patrouille interstellaire semble très intéressée par ta planète. En gros, ils vont te piller, quoi. Ils vont te prendre pour un esclave. Le supercalculateur Sage-X a commencé à récolter des données sur Deland. Mais il a besoin de plus d'informations. C'est pourquoi je t'ai envoyé un capteur pour collecter des données humidité, précipitation, vent, etc. Le capteur est alimenté par une batterie, mais elle ne tiendra pas assez longtemps. Putain, mais vous avez. C'est à moi de tout faire, quoi. Assure-toi qu'il ne s'arrête pas jusqu'à mon retour. Enfin, ça sert à quoi de fabriquer des vaisseaux spatiaux si tu n'es pas capable d'utiliser un outil qui est autonome? Tu entendras une alerte quand la batterie sera faible. Tu devras alors vite actionner la manivelle pour la recharger. Un jeu de baston? Bah si, il y en a des jeux de baston. Je suis pas très fort en jeu de baston. Après, ça dépend. Si tu parles d'un tous des fighters, style Street Fighter ou BlazBlue, ça pourrait se faire, mais tu vas vite t'ennuyer. Commence la collecte des données. Mais sinon, les jeux où il faut taper, j'aime bien. Mais là, on vient de commencer celui-là. Donc, je vais pas passer de l'un à l'autre comme ça. Tu comprendras bien. Mais des jeux de baston, si on va faire en. Les jeux où il faut taper, j'aime bien ça, en règle générale. Donc t'inquiète pas qu'on va en trouver, qu'on va en faire. Reste par là. Tu auras à quoi te satisfaire dans un futur. Y a pas. On y arrivera. On en fera des jeux de baston. On en fera des jeux de baston. Après, peut-être pas tous des fighters, mais plus du beat'em up ou du hack and slash. Faudra voir. Après, est-ce que les plateformers, c'est considéré comme des jeux de baston où faut taper? Il y en aura. Mais de toute façon, il y aura au moins du Ultimate Alliance. J'ai envie de faire du Hulk aussi. Hein, mais dans le rétro, il y a des trucs sympas. Donc, faudra voir comment on fait des choix. De toute façon, c'est le début. Hein, comme je vous le disais, moi, je stream depuis fin février.
je pose mes marques. Il y a une émission que je suis en train de construire, on va dire, pour avoir des rendez-vous. Comment on dit les rendez-vous à la semaine, j'allais dire semestriel, quotidien. Donc quotidien, c'est tous les jours. Bref, toutes les semaines, deux fois par semaine, le mercredi, le samedi, autant que possible, c'est en train d'être bricolé. Mais on se donnera rendez-vous pour parler de l'actualité du jeu vidéo gratuit. Je ne sais pas si vous y étiez là en tout début de stream quand j'ai parlé des trois jeux récupérés cette semaine. En tout cas, c'est sympa de faire participer tes viewers. Et ben, je t'en prie. Donc si vous voulez des bons plans là sur l'Epic Game Store en ce moment là depuis 17h à peu près, il y a Ark, Survive, Evolve et des DLC à télécharger sur l'Epic Game Store. Il y a aussi toujours sur l'Epic Game Store comment il s'appelle, un truc avec des ninjas, Shadow Neo Geo Collection. Ben, je l'ai plus, j'ai perdu le titre, bouge pas, je vais te dire ça. Hop, petit retour. Les informations, je les ai toujours à portée de vue, je vous dis ça. Je peux même vous coller les liens. Hein. Je peux même vous coller les liens, puisque là, je fais vite fait un petit retour là sur Twitter. Puisque je vous en parle, hop, et puisqu'on interagit, y a Snake Pass déjà à récupérer sur l'Humble Bundle. Je vous file le lien tout de suite. Dans le chat, toc toc, le temps d'un copier-coller. Donc vous avez à peu près un peu plus de 48 heures. Il vous reste là 2 jours, 21 heures, 27 minutes, 39 secondes pour le récupérer, copier-coller. Donc un jeu avec les serpents. Toc, je vous colle ça là. Donc ça, hop, profitez-en. Premier bon plan, ça c'est fait. Donc deuxième bon plan, normalement, Samurai Shodown. Voilà, j'avais plus le nom, je voulais pas dire de bêtises. Donc, c'est parti pour le lien. C'est le GS qu'on dit dans le futur. Donc, copier. Donc, là, j'ai pas vérifié s'il y avait des DLC, mais je pense pas. Mais donc, voilà. Donc, Samurai Shodown Neo Geo Collection à récupérer. En voilà un autre. Et ensuite, celui qui vous intéresse est le plus connu. C'est Ark Survive Evolve, disponible sur le GS. Donc, vous savez comment ça marche, il vous suffit de créer un compte, de télécharger le launcher, de valider l'offre et ensuite vous installez le jeu ou non, mais vous le possédez à vie. C'est parti, c'est comme ça que ça marche. Voilà, et donc toutes les semaines on fait le tour de l'actualité du jeu gratuit, ensuite on regarde sur Steam s'il y a des trucs qui nous intéressent également, mais c'est toujours envisageable. Donc je vous donne rendez-vous pour qu'on tripe. Neo Geo, c'est pas tout jeune, mais le rétro, c'est bien aussi. Hein. Et de toute façon, avec l'arrivée des consoles rétro-compatibles, donc avec la Xbox Series et la PS5 qui vont sortir aux alentours du mois de novembre, on pense, parce qu'il faut qu'ils arrivent à faire des ventes pour Noël, eh bien, beaucoup de gens vont redécouvrir l'univers du rétro. D'ailleurs, on était tout à l'heure sur X-Men. Legends 2, c'est un jeu qui date de 2006, son prédécesseur date de l'année précédente, c'est-à-dire de 2005, si j'ai bonne mémoire. Et on en verra d'autres, par exemple Marvel Ultimate Alliance, ça doit être, ça doit venir après, je dirais 2008. Mais on est dans ces eaux-là, et encore pour du rétro, c'est assez récent, hein. Enfin bon, récent, pour un vieux comme moi, ouais. Mais voilà, donc on en fera d'autres, hein, les Spider-Man, les machins comme ça. Si on a envie de découvrir l'univers super-héroïque dans, au travers les différentes plateformes qui ont été disponibles dans l'univers gaming, on a de quoi faire, de quoi se marrer. Donc on va rigoler, hein, voilà, moi je me spécialise là-dedans parce que j'ai pas envie de faire comme tout le monde, hein, tout simplement. Et encore, on s'en sort bien. Donc voilà, hein, parce que si c'est pour faire du Squeezie ou du AmixM, bah allez voir Squeezie et AmixM, c'est pas la peine de venir. Hein, on est d'accord, et c'est ils sont très bien ces gens-là. Mais voilà, je vais pas vous proposer le même contenu. Pourquoi je vous propose pas du triple A ? On verra, hein. Bon, parce que tout le monde en parle aussi, c'est ça. Donc si je suis pas capable de vous proposer un divertissement qui change
du quotidien, de ce que vous avez l'habitude de voir, c'est pas la peine de faire une chaîne Twitch ou d'avoir une chaîne YouTube. Après, ça plaît plus ou moins, mais je trouverai mon public au fil du temps et je m'inquiète pas du tout pour ça. Donc tout va bien. En attendant, l'actualité qui tourne autour du gratuit, elle est assez péremptoire. Et c'est pour ça que je m'attarde dessus, parce que pour moi on n'en parle pas assez. Et c'est souvent que, bon alors à tort ou à raison, on a beaucoup d'idées reçues autour des jeux gratuits, parce qu'ils sont mal cotés. Et en fait s'ils sont mal cotés, c'est qu'il en sort des dizaines tous les jours des jeux gratuits. Et dans le lot, il y a plus de jeux qui sentent les fesses que de jeux qui sont extraordinaires. Il faut le comprendre. Toc. Et c'est normal. Et l'autre, il m'a fait mal, hein. On est d'accord. Voilà, avec un marteau. Si j'avais un marteau, je défoncerais la gueule des vilains pas beaux. Il va falloir que je me soigne quand même. J'ai plus de carottes. J'ai plus de carottes, hein, du tout. Non, j'ai plus de carottes. Non, c'est pas bon, ça. Alors, on va me dire, ah, tu fais un accent black, raciste. Mais non, mais en fait, tu sais, les accents, ça dépend pas de la couleur de peau. Ça dépend de la région du monde à laquelle tu appartiens. C'est ça, l'idée. Ouais, je te jure, c'est vrai. Ah non, c'est pas une connerie. Du coup, je suis dans la merde. Ça s'appelle des préjugés. Alors, et puis, il n'y a qu'une seule race, donc on est tous les mêmes. Donc, voilà. Alors, du coup... mais non, pas planter, je veux manger. Casse-toi, toi. Fous-moi la paix. Et du coup, est-ce qu'ils détruisent des trucs, les vilains, pas beaux, là. Manger. Encore manger. Ouais, manger. Encore manger. Alors, je vais prendre ma hache. Prends la hache. Il va lui défoncer sa gueule, lui. Hop, là. Hop. Et je peux pas faire d'esquive. Bah là, j'ai vu, là, il a fait mal. Vas-y, dégomme-le. Vas-y, reviens. Il revient pas. Deux coups. Mais, aïe, comment ça? Aïe. Putain, t'es mauvais. Il est mauvais, mon bonhomme. Il va peut-être falloir lui augmenter sa force ou un truc comme ça là à l'avenir. Bon, c'est bon, on l'a eu, mais on a failli ne pas faire mon feu. Bref, notre campement là, il serait temps d'aller chercher des carottes. Les carottes récoltées, oui, récolte, s'il te plaît. Ah, pivote la planète. Ok, bon, brisé. J'ai pas fini de récolter mon truc, moi. Qu'est-ce que tu m'emmerdes? Alors, est-ce que dormir, ça nous permet... Pourquoi améliorer? Je veux pas améliorer, je veux récolter. Ah, parce que j'ai pas le bon outil. D'accord. Oui, Mao, le chat. Et quelle heure? 21h38 dans tout ça. Le chat, pas l'écran. Purée, t'es casse-couille, fripouille. Ça rime. Ouïouïouï. Ouais, Mao. Est-ce que je dis Mao, moi? Non, je dis pas Mao. Alors? Toujours à faire des maou, des miens, hein? Ça va pas, hein? Mince, à chaque fois je replante sans faire gaffe. Et l'écran, elle se frotte à l'écran, le truc. Oh là, je te jure. Faites des chats, quoi. Faites des chats. C'est pas possible, cette histoire. Allez planter des carottes. Bon, et viens voir papa, viens. Mais Mimi, tu veux quoi? Tu veux manger? Qu'est-ce que c'est, ces histoires? Un bisou. C'est pas possible. Ah là là. Gros bébé, tiens. Ah, je te jure. Alors, du coup... Mais... Et comment veux-tu que je joue? Comment on fait? Je suis possible. Comment on fait, ma fripouille? Alors, merde. Ah bah, faut que je m'occupe, hein, de mes enfants. Allez, ah là là, je te jure. Bon, je voulais faire quoi, moi? C'est quoi la mission? Oh, attends, lui, il faut le faire atterrir. Quelque part. Il va se barrer, sinon. Vas-y. On va aller voir ce qu'il veut. Par contre, il faut que je mange. Heureusement, j'ai des carottes. Ça va me rassasier, ça, un petit peu plus que... C'est quoi? Ça va? Est-ce que c'est pas un peu faible, la musique, quand même? On se demande, hein. Moi je me demande en tout cas. Il faudrait que j'en garde, il faudrait que j'en conserve. Je vais manger des myrtilles.
C'est pas ce qu'il y a de mieux pour restaurer ma santé, mais c'est toujours ça de gagner. Donc attends, il est où lui? Parlez. Belle planète. Bonjour, qui êtes-vous? Bonjour, jeune garçon. Je me nomme Locke, parce que je suis une grosse Locke. Magicien et marchand de potions. Alors, un poil plus fort. Un magicien? Attends, je vais te faire ça. Hop, bouge pas. Un poil plus fort. Il me semblait bien que c'était pas suffisant. On va mettre à 8. Là, c'est mieux. Est-ce que c'est mieux par rapport à ma voix, tout ça? Alors, du coup... Oui, hélas, les humains ne peuvent pas utiliser la magie directement. Nous devons nous contenter de l'essence magique que nous emprisonnons dans les potions. Top. C'est ma spécialité, mais ça aussi, les vieux livres et les histoires. Ça, mais aussi les vieux livres et les histoires. Je me disais, j'ai pas respecté la ponctuation. J'aime beaucoup ces bouteilles colorées. On touche qu'avec les yeux, à moins que tu veuilles acheter quelque chose, bien sûr. Je n'ai pas d'argent. Ah, tu es un pauvre. Tu n'as aucun avenir. Ce n'est pas grave, je suis sûr que cette planète renferme des choses intéressantes. Apporte-moi tout ce dont tu ne te sers pas. Voyons voir, je dois avoir quelques objets dans mon sac. Hein. Il a mal à la gorge, Locke. Ouais, c'est un vieux. Alors, vendre. Est-ce que je peux vendre du matériel? On va lui dire une corne de mammouth. On va lui vendre ça. Parce que je sais pas à quoi ça sert, donc je connais pas l'utilité des objets. Donc voilà. Ça fait un plaisir, mon garçon. Écarce-toi. J'ai un travail pour toi. Comme tu peux le voir, j'aime décorer mon vaisseau ballon avec des belles étoffes. J'ai dans l'habitude d'acheter des échantillons de tissu de chaque lieu que je visite. Ah, mais c'est la batterie qu'on entend. La qualité du tissu dépend énormément de la qualité du coton utilisé. Je vais te donner quelques graines et en échange, j'espère que tu pourras me tisser une belle pièce. Oh merde, la batterie qu'a planté. Merci beaucoup, je ne vous décevrai pas, monsieur Locke. J'ai l'impression qu'elle était un peu forte, par contre, la batterie, enfin le son. Une nouvelle recette du tissu. Ça nous fera une belle jambe. Par contre, elle est où l'autre? Par contre, on arrive à se perdre hein, quand même. Il est où le truc? Ah bah là. Chargé. 100%. En haut à droite, vous voyez la pile là. Voilà, elle est à 100%. C'est le moment de récolter des trucs hein, quand même. Ça, on va avoir besoin de matériaux hein, au fur et à mesure. Mais ça va être génial. Hein. Bon, à mon avis, je jouerai en off. Pour pouvoir agrandir mon périmètre et puis mes ressources. Je me suis mal exprimé. Jouer en off pour pouvoir avoir davantage de ressources. Voilà. À planter, utiliser tout ça. Toc. Donc la pêche, des trucs comme ça. Mais j'aime bien l'univers. Je crois que c'est la première fois que je joue à un jeu. Ah non, il y avait Reus un peu qui était un peu comme ça. Où je joue à un jeu... Avec est-ce que ça porte un nom? Les jeux comme ça où il y a une toute petite surface, une toute petite planète et on peut se déplacer là-dessus. Est-ce que ça fait partie d'un genre? Parce que c'est pas la première fois que je vois ce style. Ah, pivote la planète. Attends, pour éviter voilà les catastrophes. Oh, tu parles. Donc là, c'est des cristaux. Je sais pas encore à quoi ça sert, mais ça servira sans doute à quelque chose. C'est bien, c'est perspicace hein, comme réponse. Du coup, est-ce que je peux agrandir? Ah ouais, alors attendez, parce que c'est ça. Si je plantais des trucs... Donc voilà, en fait, vous voyez, le fait d'avoir mis des puits à proximité, ça fait que je vais pouvoir m'étendre. Les Simpsons! Ça vous fait pas penser aux Simpsons, ça, ce petit début de musique? Bon, plus maintenant, mais... Il y avait un truc, hein. Allez, go. Et si je fais la vanne à chaque fois, ça va finir par plus être drôle. J'ai le sentiment que les ennemis sont proches. Ouais, bah, vas-y, Osef, les ennemis. Moi, je suis occupé, là, à faire un truc. Donc, foutez-moi la paix. Secouez. On va récolter un maximum de graines. Après... Est-ce que les ennemis... Regardez, hop, encore de la bouffe. Parce que si j'ai pas de bouffe et que je vais me battre, il y a un moment donné, je vais dans la merde. J'aime pas être dans la merde. Et ça, je peux pas casser ce rocher là. Il prend de la place en vrai. Je suis épuisé, j'ai besoin de me reposer pour reprendre des forces. Est-ce que si je vais me coucher, est-ce que les ennemis seront toujours là?
Si on peut passer à côté, en fait, vas-y, on les laisse. Ce n'est pas le bon moment pour me reposer, d'accord, ok, bah alors attends. Tu vas récupérer de la life. Donc, je préfère bouffer des baies que des carottes parce que je vais en avoir besoin pour les replanter. C'est chiant la merde. On est dans... Alors ils sont où? Est-ce qu'ils finissent pas par disparaître? Aussi les méchants. Attendez, on va essayer de combattre sans se faire toucher. Voilà, deux coups. Vas-y, c'est possible, c'est possible. Oh, j'étais concentré là, j'ai pas parlé pendant au moins 3 secondes. Allez, attention. C'est des choses qui arrivent. Oh là, je me suis fait toucher là ou quoi? Viens là. On essaye d'être... voilà, d'avoir un bon timing. Toc. Tu as obtenu assez d'expérience, va dormir dans ta maison pour passer au niveau supérieur. Et si j'ai pas envie? Bon, en fait, j'ai envie parce que j'ai plus de points d'action. Mais c'est bien hein, parce que j'ai plus de points d'action. Il est où mon campement? Ah bah tiens, attends. Et je peux pas cueillir si? Si, je peux cueillir. Bah attends, on va en profiter. Si secouer, ça me demande pas de compétences. On va en profiter. Qui c'est? C'était quoi ça? Attends, il y a quelqu'un qui se pointe. Il peut pas atterrir? Si, là. Vas-y, on va venir te voir. J'aime bien, ça change de ce que j'ai l'habitude de voir en fait. Voilà, parlez. Bonjour, qui es-tu? Le P de Schtroumpf est mort. The Murderer. Bienvenue dans mon vaisseau restaurant bleu. Je suis Brahma, chef qui d'autre est renommé dans cette galaxie. On dirait un perroquet. Je voyage de la planète en planète, toujours à la recherche des meilleurs ingrédients. Je sers des plats exquis pour tous les goûts, tu veux essayer, serre-toi. Bien sûr, tu as beaucoup à apprendre, apporte-moi les ingrédients dont j'ai besoin, je t'enseignerai. Ah d'accord, putain, il dit d'accord à tout, mais qu'est-ce qu'il est con quoi. Hier on joue un con, je suis désolé, mais... Oh, ce petit lac est merveilleux. Le poisson est l'ingrédient principal de beaucoup de mes plats. Je peux toujours les fournir quand je fais de belles prises, mais... Arrête de dire oui à tout le monde. Arrête. Tu vas te faire baiser encore. C'est bien d'être gentil, mais sois sélectif. J'aime cet esprit. Regarde, tu peux faire une canne à pêche comme ça. J'ai jamais réussi à la faire pour l'instant. Parce qu'il me manquait du fil. Et le fil, je sais pas comment l'obtenir. Pas encore, en tout cas. Donc on verra plus tard. Donc j'en étais là en fait au niveau découverte, exploration. Voilà, là on a fait tout ce que je savais faire. Donc voilà, je suis vite limité. C'était le temps de faire mes tests au niveau du son. Ils ont piné sur la soupe aux choux, je te dis. Ah ils ont d'accord. Il y a un truc. Mais peut-être hein, qu'il y a des inspirations. Forge. Canne à pêche. Voilà, c'est du fil que j'ai pas. Donc je sais pas encore comment le trouver pour l'instant. Ce sera peut-être avec les champs de coton. On va dormir en tout cas. Drit. Drit, c'était. Alors, intelligence ou agilité. On va prendre l'agilité vu que l'intelligence, on l'a déjà pris. Et il y a la batterie là qui est en train de se vider. Elle est où la batterie? Elle est où la batterie? Elle est où déjà la batterie? Attends. Elle est où la batterie? Bah non, elle est pas là. Et où la batterie? Elle est là-bas. Oui, j'arrive. 1%, 1%. Oui, mais... C'est marrant, toi. Oh là là, forcément. Après, on va me dire, ouais, il n'y a pas suffisamment de données et tout, machin. Ah, c'est bon, recharge. Faut penser à tout. Bon, faut que je me situe dans l'espace, hein, aussi. Du coup, vas-y. On va couper. On va couper un arbre ou deux, là. Hein, histoire de se faire des réserves en bois. Il faut qu'on fasse des réserves. Il faut qu'on puisse. Mais voilà, mais j'aimerais savoir si moi aussi je peux faire de nouveaux champs. Manque plus que les héros lâchent des caisses et on a tout. C'est ça, c'est exactement ça. Mais bon, on n'est pas gâté par la nature hein, jusqu'à présent. Déjà que les monstres s'en chargent. On va s'attaquer aux arbres qui sont matures.
Heureusement que ça pousse à une vitesse incommensurable. Alors ici, on utilise des mots compliqués, hein, des fois plus de 3 syllabes. Du coup, hop, planté. J'ai 12 graines de... Je vais dire de tchoukal, mais non, les tchoukal, c'est les chiens. 12 graines de d'arbres, hop. Bon, autant les serrer, en fait. Hein, c'est pas grave, par contre... La nuit tombe, hop. Ici, vas-y, plante-moi ça. J'ai 5 graines, j'ai 5 baies. Eh mais moi, je vais te faire une pépinière, Yann. T'imagines même pas. Hein. Tu veux de la ressource? Bon, on va faire en sorte d'avoir de la ressource. Tant qu'il y a de l'espace pour planter, on va rendre la planète verte. Puis limite à faire un puits. Oui, Fripouille, je te vois. Passe devant l'écran, surtout. Oh, le cul du chat. Tout va bien. Non, Fripouille, mon café. Et bois mon café. La tasse est vide. J'ai 2 tasses de café, là. Parce que des fois, je prends le mug, voilà, plus en journée, c'est un mug, le matin, c'est plus la tasse. Et l'autre, elle vient derrière et elle trempe ses babines dedans, dedans la tasse. Du coup, heureusement que je la vois faire, que je nettoie ma tasse après, parce que sinon, je boirais de la bave de chat. Mais le chat, il boit du café. Vous avez vu ça souvent, vous ? Quand je fumais beaucoup, et eh ben elle me piquait mes clopes. Les blondes surtout. Mais quand elle était petite, maintenant c'est quelque chose qu'elle fait plus. Et puis parce que je fume beaucoup moins aussi. Et donc elle me piquait mes clopes. Les clés aussi, les crayons. Quand elle veut qu'on s'occupe d'elle, elle se met à côté. Et tout ce qui est à proximité du bureau, elle vire. J'en ai qu'une qui me fait ça, tiens, attends. Hop, puisqu'on y est. On recharge. Toujours que ce soit à 100% ça. C'est bien, ça va pousser au moins les sapins. Allez. On n'a pas de feuillus, on a que des conifères. Alors, attention. Ok, non, j'ai cru que ça causait. Mais en fait, ça cause pas. Oui, mon chat. Ouais, passe devant l'écran, s'il te plaît. Vas-y, et t'as qu'à... Voilà. Voilà. Non, pas sur la box, parce qu'elle se met aussi sur la box. C'est non, Fripouille. Attends, elle revient là, elle. C'est non, Fripouille. Bah, miaou, miaou, c'est non. C'est à beau dire machin. Vous la voyez là ou pas? Voici. Ce qui est bien, c'est qu'elle cause. La collecte des données n'est pas terminée. Elle doit atteindre les 100%. Oui, bah. En fait, elle a que ça à me dire. Ah, je vous jure. Oh, c'est pépère. Donc, attendez. On va s'occuper des récoltes. Parce qu'on a vite fait de perdre de la vie. J'ai envie de planter autre chose comme ressource. Du coup, en fait, les plis, les puits. Mais les puits, il me semblait que j'avais fabriqué un seau. On va pousser du blé et du coton. Du coton et puis des carottes. Toujours des carottes. Hein, faut pas se laisser avoir. Donc des carottes. Et attendez, épuiser. Seau. Oh, il me faut un seau pour puiser l'eau du puits. Fripouille, je te vois. Laisse l'écran tranquille. Ça va être ça toute la soirée. Attendez, je peux fabriquer un seau. Voilà, le seau. Donc sans doute qu'en arrosant, c'est pas précisé, mais je peux accélérer les récoltes. Donc puiser, c'est pour ça que j'en ai mis 3. Voilà. 7 minutes. Oui, voilà, ça accélère le temps. Allez, hop. Donc, un puits. Ça m'évite de faire 36 allers-retours en plus. Je sais pas quand est-ce qu'il pleuvra. Fripouille! Mais l'écran! Mais elle est casse-couille, elle! Je vous jure. Ouais, elle veut que je m'occupe d'elle. Tu peux pas avoir faim, tu viens de vomir. À quoi que si, remarque. Ah, je te jure. Ah, bah, elle est repartie, là, Bulma. Merde! C'est bien la peine de se donner du mal. Voilà, on a encore des graines. Oui, mais on va se faire une petite forêt. Hein. Je pense hein, qu'il va revenir derrière le campement. Vas-y, ramasse ça. C'est chill, mais c'est bien pépère. Lâche ça, le chat, bah oui. Ouais, mais c'est presque un tchoukal. Hein, tiens, brisé. Donc, les points d'action, c'est la barre bleue. Je sais pas si vous l'avez vu. Je sais pas c'est quoi l'étoile encore.
pourtant il y a une étoile qui apparaît. Donc au niveau des objectifs, j'ai le sentiment que des ennemis sont proches. Ouais, bah fous leur la paix. Vous voyez, les objectifs sont ici. Donc là on est à 29% de charge au niveau de la batterie. Hop, là. Je vais secouer, toc. Je pourrais m'en débarrasser des buissons. Je prends là, je sais pas si ça change grand chose. J'ai pas l'impression en fait. Ils sont où les méchants? Là, il y a une flèche violette. Oh là, ça habille, hein. Ça commence à être plus joli. Oh purée. Je me suis fait toucher en plus. Voilà. Ça va, il a de la portée, hein, le bordel. On va le coincer. Oh, mais attends, j'ai pu. Bah, je mange même mort. Ah, merde. Merde. Ok, les monstres ont volé certaines de tes ressources, des larves, du blé et du minerai d'argent. J'ai envie de dire un truc, mais je vais te vulgaire. Donc, on va éviter. Hein? Je le suis déjà assez comme ça. Du coup, je vais m'abstenir. Si encore ça m'avait échappé, ça aurait été excusable. Mais là, je dirais ouais. Ne dis rien. Donc, lui, on va pas lui dire d'atterrir. Hein. Vas-y, passe ton chemin. Donc, au moins, est-ce que c'est pas plus avantageux de mourir à ce stade-là plutôt que d'utiliser des ressources, finalement. Hop. Là, je vais en avoir un maximal. Vas-y, on va le laisser en haut, là. C'est l'autre avec son ballon, là. J'ai pas fait son tissu, ni rien. Donc, laisse-moi tranquille. Oh, le blé a déjà poussé. Il va être trop... Ah non, amélioré. De la corde, donc je suppose que la corde, ça va se faire avec le fil. Donc, on va essayer de récupérer un maximum de ressources. On va laisser ça pousser. Est-ce que je pourrais pas faire un nouveau... C'est un nouveau champ. Ça a pas l'air. 11 carottes, on est bien. Oh, les buissons de myrtilles. Alors, attends, buissons de myrtilles. J'ai bien envie d'en étendre ici. Alors, faudrait pas qu'ils soient trop serrés les uns aux autres. Parce que sinon, je vais pas pouvoir circuler entre. Et puis, si je peux pas circuler entre, je vais pas pouvoir les secouer, les ramasser. Dis celui-là, ici. On va mettre une petite zone, là, d'arbres de myrtilles. Voilà, proximité du lac. On va essayer de faire une zone agréable, hein, quand même. Et puis les arbres un petit peu plus centrés les uns, enfin centrés ouais les uns sur les autres. C'est pas le bon terme, mais tu m'as compris. Complètement. Hop, complètement. Mais c'est bien qu'on soit d'accord. Du coup, voilà. Alors j'ai pas encore pris l'habitude de streamer le soir. C'est souvent en fait que moi je suis comme vous, je suis un viewer, il y a plein de gens que je regarde. Souvent à partir de 23h jusqu'à 5h du matin, je regarde Herman Fili. Maintenant, je commence à me dire 3h30 du mat. Ça commence à être vas-y, l'horaire limite. Faut dormir la nuit. Surtout le mardi et le vendredi. Si jamais je veux être en forme le matin pour vous faire des reviews sur le jeu vidéo. Et eh ben il faut quand même un minimum de sommeil parce que sinon après j'ai plus envie de rien faire, j'ai la tête dans le cul, les yeux qui collent et je suis bridé. Donc voilà, mais sinon ouais, régulièrement vous pouvez me retrouver chez Herman Fili. Et après surtout il y a E.T. à partir de 21h, il y a E.T. aussi, il y a E.T. 63, E.T.I. 63, hein, comme un 6 et un 3 que je regarde aussi. Le matin il y a qui? Bah, il y a Youx, hein, de 10h30. Je suis en train de couper. De 10h30 à 13h30, enfin normalement, ouais, voilà, voire un peu plus. Qui lui aussi fait qui parle de l'actu du jeu vidéo, mais il n'est pas dans le gratuit, donc c'est différent de ce que je vous propose, bien que ce soit un personnage qui m'inspire. Et voilà, et il y en a d'autres, hein, des fois au milieu de la nuit, vous avez Space Kerou aussi qui pop. Donc si je regarde tout le monde, il y a un moment donné, moi je stream plus, c'est fini. Donc j'ai jamais le temps. Donc on fait plus rien. Et du coup je m'efface. Donc voilà. Donc le soir, ça viendra. Il y aura du stream. Mais sur des jeux, voilà, un petit peu plus
C'est surtout le matin que j'ai la pêche. Donc là où j'ai envie de passer, de prendre du temps et du plaisir à faire des jeux vidéo, bon bah c'est plus le soir, pépère, de bonne humeur. On joue une heure ou deux ou trois. Trois c'est bien, c'est une bonne moyenne. Le matin c'est de l'actu, c'est des tests, c'est plus du boulot, tu vois. Mais ouais, la nuit. Mais la nuit, il y a toujours un public à n'importe quelle heure. Il y a du public la nuit, hein, beaucoup. Hein, tous les précaires hein, qui sont là. Pas que, mais beaucoup. Après, il y a les Québécois qui sont là aussi. Parce qu'on a des, ils sont à l'autre bout du monde. Ou alors c'est nous qui sommes à l'autre bout du monde, va savoir. Mais éternel débat. Ah, là, il y avait une place. Il y avait une place. Mais ouais, faut qu'on arrive à se retrouver, quoi. Surtout si ça devient régulier, le fait que je fasse du streaming. Donc pour l'instant, je me la joue cool, hein, je vous avoue. Mais c'est sûr que sur le long terme, j'aurais bien envie de vous proposer quelque chose d'un petit peu plus sérieux et d'un peu plus construit aussi. Alors attendez. Là, j'essaye de me trouver une place. Bon, bah, j'y arrive pas. Il y en avait une à un moment donné, là, par là. Voilà, ici. On va coller les arbres. Bon, il y en a assez, hein. Tranquille, ouais, tranquille. Tranquille. Bah, faut du temps, hein. C'est pas au bout de 3 mois qu'on va se dire, ça y est, je vais être partenaire. Hein. Bon, alors déjà, être affilié. Je sais pas, ça va être des emotes. J'ai même pas regardé les emotes encore, hein, comment ça fonctionnait, tout ça. On verra. On va plus tard, ouais, c'est moi qui fais ma chaîne. Mais après, c'est bien d'avoir aussi des objectifs. Parce que le fait d'avoir des objectifs, ça motive. Et quand t'as la motivation, t'as la volonté. Donc, faut faire les choses dans l'ordre. Et puis, voilà, pas péter plus haut que son cul non plus, quoi. Ce qui est dit, c'est doit être le plus dur, en fait. C'est rester modeste. Allez, hop. Mais c'est vrai que bah, YouTube, ça fait 5 ans que je suis dessus. On s'est jamais vraiment décollé. C'est pas grave, 700 abonnés hein, quand même. Mais au moins, je suis content de pouvoir vous proposer un contenu qu'on voit pas forcément ailleurs. Voilà, ou si on le voit ailleurs, je suis pas au courant. Les ennemis, on va leur casser la gueule. Bon, par contre, ça peut vite revenir, devenir redondant. Quoi. On va essayer de remplir les objectifs. À quelle heure ? 22h. Ouais, 22h. On va aller voir Youngs, hein, de toute façon. Youngs. On va le raider. Je suis pas encore super à l'aise sur les raids. Parce que je sais jamais à quel moment couper le stream. Mais ouais, l'originalité a du bon. Ouais, carrément. Et du coup, est-ce que je peux me nourrir pendant que je combat? Ah, puis en plus, il me fout la paix. Bah alors, super. Je le touche quand même. Et on ira voir... On ira voir si Hughes il a lancé. Parce que la conférence PlayStation 5, moi, elle m'intéresse. Surtout si on a quelqu'un pour la traduire. Derrière, moi, mon niveau d'anglais, il n'est pas suffisamment bon pour que je fasse une traduction spontanée. D'ailleurs, je me risquerai pas à l'exercice. Putain, mais on bouffe toutes les carottes, là, les gars, là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, est-ce que ça vaut pas mieux le coup de mourir? Il y en a un autre là, méchant? Ouais, il y en a un autre. Mais ouais, je trouve qu'on n'est pas à l'aise. On pourrait pas avoir un arc ou un truc comme ça. On s'en fout de la régularité, on a les alertes de tes streams. Alors pour l'instant, alors la régularité, c'est ce qu'il y a de plus précieux, justement, si on veut fidéliser sa communauté. Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut viser. C'est pour ça que je vous dis le mercredi, le samedi, au moins sur... Parce que de toute façon, je le fais. Même en off, je le fais. J'ai pris l'habitude de travailler sur l'actualité du jeu gratuit pour savoir ce que je vais vous présenter. Maintenant, il faut que je sois beaucoup plus sélectif dans mes choix. Mais au moins se dire, allez, le mercredi et le samedi matin, on se retrouve. En plus, le matin, il y a du monde. C'est ça qui est bien. C'est qu'il y a quand même du monde qui est au rendez-vous. Et du coup, même les couches tard, entre autres. Mais j'ai mangé, pourquoi? J'ai mangé, pourquoi tu me redonnes pas de la vie? Ok. Et donc le matin, le mercredi et le samedi, dire voilà, on se donne rendez-vous là. Vous savez où me trouver.
Même s'il y a les alertes, mais après tout le monde n'est pas abonné, quoi. Mais ouais, même si pour l'instant c'est pas super. Bah, il est mort, je suis mort, super. Et la batterie qui sonne. Ouais, faut pas moins de 2 fois par semaine, c'est ça. C'est ça. Et puis, donc, plus l'actualité le matin. Et ensuite, tout ce qui est jeu détente, ce sera plutôt le soir. Et puis, bon, après, vous me retrouverez chez les autres dans les chatrooms. Hein. Y a pas à tortiller du cul. À ce niveau-là, on sait comment ça fonctionne. Vas-y, ramasse. Ah, mais ça tombe tout seul, en fait, les trucs. Au bout d'un certain temps. J'ai failli, en fait, vous faire... vous voulez un autre bon jeu gratuit. Island Saver. Donc, Island Saver. Hein, sur Steam. Sur Steam, sur Xbox, sur Switch. Le jeu est gratuit. C'est un jeu style Slime Rancher. J'ai failli le lancer. Et il y a 12 heures de jeu à peu près. Sur 3 maps, il y en a une quatrième map de disponible à 3,99€. Et bah, je vous invite à le télécharger parce qu'il est pas mal. Donc si vous avez... À qui je suis abonné? Oh là. Tu peux le voir, mais mes chaînes sont pas cachées. Donc Atonium, Seldel, Danfield pour ceux qui traitent de l'actualité du jeu gratuit. Déjà, c'est ceux dont les jeux que les personnes vers lesquelles je vais voir. La chaîne du Geek, Captain Popcorn, Cult and Click pour ce qui est de l'univers comics, le comic des comics d'ailleurs. La collecte est terminée, je vais maintenant récupérer les données, elles seront traitées par le super calculateur. C'est ça, bah casse-toi alors. En fait, au moins il ramasse sa merde. Après, parle pas comme ça. Dis la dame. Parce que sinon, si on commence à utiliser ce vocabulaire-là, ça va partir en cacahuète. Mais c'est vrai qu'elle est mignonne. Elle est belle, la dame, on va dire. Ouais, belle, la dame. Tu vois, mieux, plus cool. Plus cool. La dame, voilà. Est-ce que j'ai des nouveaux objets? J'ai toujours pas de fil de pêche. Je n'ai pas assez de matériaux. Bah ouais, mais tu peux pas faire un truc correct aussi? Est-ce qu'on n'avait pas du coton? Ah bah ouais, mais c'est ça. À mon avis, le coton, il y a moyen de le transformer. Hein. On va laisser. Comme il n'a pas plu, on va pas trop accélérer les récoltes. Par contre, c'est quoi les objectifs, là? Oh, un chat! Alors, fabrique du tissu. Ah, bah, c'est peut-être ça. Mais le tissu, on fabrique comment? 6% avec du coton. Fripouille! Qu'est-ce qu'elle, à votre avis, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce que t'as fait, Fripouille? Tu aimes... t'attends toujours, j'ai la tête tournée pour faire les bêtises. Tiens, c'est ça tu veux? Hein? Le café, quoi. C'est pas vrai, hein. Plein de conneries, il va falloir que je m'occupe de mes chats. Pourtant, elle a à boire, elle a à manger, elle a tout ce qu'il faut. Mais non. Ça va prendre combien de temps, là, de faire un truc? Est-ce que on peut... Ah, une torche. Et donc, ça nous avance à quoi d'avoir une torche? À mon avis, il va y avoir des trucs à découvrir. Donc, la pêche. Je dois d'abord pêcher, mais je dois d'abord fabriquer une canne à pêche. Et quand tu veux fabriquer une canne à pêche... Oh, merde! Oh, merde! Ah, merde! Alors, remarque, pour la récolte, du coup, c'est plus pratique. Ah, mais merde! Elle a fait caca? Non, elle a bu du café. J'en ai une qui chie à côté de la litière, mais... bon, au moins, on a du bois. Ah, mais... on a tout niqué, là. Ah, bah oui. Bah ouais, mais bon, les gars... Oh, merde! Oh merde! Du coup, graines de tapin. Merde! Pas chat sur le canapé. Ouais, ça. T'inquiète. Ouais, ça c'est l'hélice qui est derrière.
Attends, elle est partie faire des conneries. Elle est partie. Fripouille! Tu fais quoi? Je l'entends, elle est dans la cuisine. Je sais pas ce qu'elle fait. Mais elle fait de la merde. Du coup, attends, là, je suis en train de planter mes sapins. Là, c'est le bordel, merde! Et je trouve que les monstres, ils reviennent trop souvent. C'est pas drôle, on a le temps de rien faire. Pas le temps de rien faire, si, on a le temps de faire des trucs, mais. Attends, je vais planter mes graines. Hop! Parce que sinon, voilà, je vais les perdre. Mais j'arrivais à les terrasser, les monstres, mais il me faut de la force. Du coup, attendez, hop, je vais planter ça là. Bah, j'ai pas l'impression qu'ils soient une véritable menace si je vais pas les attaquer, les monstres. Ils ont pas l'air de détruire mon environnement, ni rien, ni quoi que ce soit. Donc, bon, écoutez, on n'est pas pressé de les détruire. Plante ta petite graine. Bah oui, ma petite graine. Hop. Allez, vas-y, plante. Et ils sont pas détruits avec le jour qui arrive. Parce que s'ils sont détruits avec le jour qui arrive, franchement. Mais si! Ah non. Ah, j'y ai cru. Il y en a qu'un. Ouais, mais attends, j'ai pas fini de planter mes arbres. Je plante mes arbres. Le monstre, il attendra, quoi. Faut pas déconner. Alors, du coup, ça. Et est-ce que j'ai récupéré des... C'est quoi, là? Il y a eu un nuage de fumée. Non, c'est un arbre qui pousse, hein. On est d'accord. Ah, il y a un truc qui est tombé. Ah, j'allais dire, il y a un truc qui a tombé. Ah, si. Hop, ok, ça part à perpète les oies comme ça. Il est où, l'autre? On lui éclate sa gueule, tiens, bah, graine de tapin. Du coup... Il est plus là ou comment ça se passe? Si, il est là-bas. Ah bah, il est là. Vas-y, il nous faut une flèche, là. Un truc. Super, c'est pas le piton. J'adore. 24, c'est tout ce qu'on lui fait en dégâts. Au moins, il me touche pas. Hop. Oh. Elle vient là. Et c'est avec les chicots qui me touchent. C'est bon. Et comment je peux perdre de la vie, là, alors que il me touche même pas? Hop, allez, vas-y. Mais c'est peut-être eux qui vont me donner du fil à la finale. Bon, au moins, j'ai du bois. On va casser quelques cailloux. Oh, les cailloux qui flottent, qui clapotent dans le ruisseau de la rivière. Je suis épuisé, j'ai besoin de me reposer. À quel moment il se passe un truc, en fait? On va se reposer. Moi, je veux bien. Hein, non, mais tranquille. Par contre, c'est dommage que les champs ne puissent pas les disposer comme on veut. Bon, alors les torches, on a compris que baston avec le pet de Strong, baston. D'accord, excuse-moi, je t'avais loupé. Dormir, d'accord. 22h13, on va pas tarder à se laisser là, hein, parce que de toute façon, je vais vous rediriger vers Yux, donc soit en raid, soit je sais pas trop. Donc restez, je couperai le live et puis restez parce que je vais le raider. Si il fait des trucs. Mais ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que j'ai pas envie de louper la conf. Je sais pas si c'est 22h ou 22h30. Si vous avez les infos là dans le chat. Et pareil, au niveau des matériaux. On va faire une récolte et puis on va laisser faire pousser des trucs. Moi j'essaierai de m'arranger. Ben voilà, c'est le fil, on l'a pas. On n'a pas la recette, hein. Donc on va faire la récolte. Toc. Et puis ensuite on va replanter les trucs. Ah mais je vais pouvoir faire du pain normalement. Le coton là, ça m'intrigue. Il y a moyen de faire un truc avec. On va toujours conserver un champ de carottes quand même quelque part. Histoire d'avoir toujours des ressources à proximité. Parce que ça, j'ai l'impression que ça part vite, hein, quand même. Ah, il pleut, ça remplit les puits. Donc c'est cool. Kawotte. Et ensuite, on fera du maïs. Là, je vais remettre du coton ici. Toc. Et puis, je jouerai un petit peu en off de mon côté pour voir... Oh, quoique... Est-ce qu'il faut jouer en off ou est-ce que je vous attends? C'est quoi le mieux? C'est je vous attends pour... puis, on jouera en mode chill. Comme ça, pour découvrir le jeu. On n'est pas pressé. Bon, là, j'ai un truc de prévu. J'ai envie de voir la conférence PlayStation. Mais sinon, j'aurais pu jouer jusqu'à minuit là-dessus. Après, il y aura un épisode, deux épisodes et tout. Si on se fait chier, on arrête, on passe à autre chose.
À voir, c'est vrai que c'est un jeu plus à jouer en off. Je sais pas. Est-ce que ça vous intéresse ou pas? Hein, faudra qu'on se mette d'accord là-dessus. Mais ouais, moi ça me plaît bien. Ça me plaît bien. Donc après, à voir si vous, ça vous convient aussi, quoi, comme petit let's play là à faire en live. Bon, il y aura toujours une connerie à raconter, hein, les champignons et tout. Je sais pas où ça va nous mener, hein, si on aura d'autres planètes, etc. Je veux pas être spoilé non plus. Donc le moins possible en tout cas. Mais moi j'ai envie de faire une forêt, quoi. C'est là niveau 3, il faut que je mange parce que la faim, voilà. Bon, j'ai dit carotte. C'est que voilà. Est-ce que lui il a un truc à me raconter, cette andouille par exemple là? Vas-y, pose-toi là. Ouais. Fripouille, il faut que je m'occupe de mon chat. Est-ce que c'est un nouveau personnage ou c'est toujours les mêmes? Tu n'as pas récupéré tous les objets pour terminer la tâche? Bah non, j'ai pas de fil. Et acheter, est-ce que... Bah non. Ah mais ça se trouve, faut que j'achète aux uns ce qu'il me manque chez les autres. C'est ça le truc. Oui mon chat, je sais que t'es là. Et l'écran, bordel! Oh, je te jure. Comme tu le sens. Bah écoutez, on va tenter quand même, hein. Bon, du coup, ce que je vais faire... Et pas la box, putain! Le chat. J'en peux plus de ce chat. Qu'est-ce qu'on fait faire de ce chat? Qu'est-ce qu'on fait, le chat? Fais des bisous. Oui. Ah là là. Je te jure, celle-là. Allez. Faites des chats. Faites des chats. Bref, je vous envoie l'écran de fin. Bougez pas. Ensuite, j'envoie, je regarde si Bozou il est en raid. Donc restez connectés. Je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt dans votre futur. À ciao, bonsoir. Et on va lancer le raid. C'est parti. Des bisous tout le monde. Ciao, bye. Ça arrive.